Salut à tous, c'est Clark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, défi finir un taco en moins de 2 minutes. Je sais pas si vous en souvenez, récemment avec JB on avait fait une dégustation VS où on s'affrontait, celui qui finissait le plus rapidement possible, pardon, un taco avait gagné. J'avais gagné haut la main, voilà, je veux pas me vanter mais j'avais éclaté JB. Quand tu veux la revanche, et donc là je me suis dit pourquoi pas faire un défi de tacos solo, c'est-à-dire mettre un petit chronomètre que j'ai là, hop. Merde. Bon, je verrai ça après. Je me suis mis une petite limite, voilà, 2 minutes pour finir un tacos que je vais vous montrer maintenant. Après, je sais que Matt Stoney, voilà, lui, il le finit en 15 secondes, mais je suis pas Matt Stoney. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes si je réussis ce défi. Par contre, si je ne réussis pas ce défi, si j'arrive pas à manger ce tacos en moins de 2 minutes, n'hésitez pas à mettre un maximum de dislikes. Voilà, c'est donnant-donnant. Donc si je réussis, maximum de likes. Si je réussis pas, maximum de dislikes. C'est parti. J'ai pris un tacos, une viande. Donc j'ai pas été dans, comment dire, chez Otaco, c'est le tacos, enfin, chez un spécialiste du tacos. J'ai été dans un kebab qui fait des tacos. Donc voilà, la boîte à kebab qu'on connaît tous. Donc du coup, à l'intérieur, vous avez le tacos qui est pas mal quand même. Je le pensais plus petit. Voilà. Donc c'est une viande. J'ai pris poulet, samouraï, mayo. Et c'est tout. Voilà à quoi il ressemble. Donc il a refroidi. Donc c'est une bonne nouvelle. Je me souviens avec JB quand on avait fait la vidéo. Les tacos c'était très chaud. On avait allumé la clim. On avait mis les tacos devant la clim. C'était trop chelou. Mais bref. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc avec ça, j'ai pris des frites. Mais je sais pas si je vais les déguster en vidéo. Bon, allez, on va en goûter quelques-unes pour s'échauffer, on va dire. Voilà à quoi elles ressemblent. Hop. Trop bon. Regardez. On va pas s'attarder sur les frites. En tout, j'en ai eu pour 7 euros. Frites, tacos, boissons. Donc franchement, ça vaut le prix. C'est super bon. Juste avant de commencer le défi, petite pause coca, voilà, parce que j'ai un peu la gorge sèche, on va dire. Donc petite pause coca chérie. Donc voilà, c'est parti. J'ai préparé le petit chronomètre avec le tacos là. Donc je vous le rappelle, le défi c'est de finir ce tacos en moins de 2 minutes. Donc j'ai le stress qui monte là. Donc je sais plus comment on fait. Ouais, démarrer. 1, 2, 3, c'est parti. Il est bon. Oh, ça va être dur, j'ai l'impression. Il est trop bon. Elle est blindée en fromage. Déjà 1 minute. Ça va être chaud, hein. Mort. Mort. Putain. Deux minutes. Il me reste ça. Oh putain, mais c'est un truc de ouf. En fait, il y avait trop d'ingrédients. Le poulet plus le fromage, c'était compact. Mais c'était trop chaud à avaler. Oh, putain, il me reste que ça, merde.
Tant pis, hein. Bon, bah, j'ai échoué. Mettez un maximum de dislikes, je vous attends. Et dans les commentaires, dites-moi en commentaire quel autre défi vous voulez. Voilà, que ce soit une pizza, finir en moins de 4-5 minutes. Parce qu'une pizza, finir en 2 minutes, c'est impossible. Déjà que là, le tacos, j'ai eu du mal. Il est trop bon. Mais d'après mes souvenirs, dans la vidéo contre JB, j'étais plus performant. Genre, je sais pas, j'allais trop vite et tout. Là, je sais pas. Dans la bouchée, je suis un loser. Un moment, j'ai hésité à boire parce que j'avais du mal à avaler. Et je me suis dit que c'était pas la bonne solution de boire du coca. Faut boire de l'eau, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai perdu malheureusement. Dites-moi en commentaire quel autre défi vous voulez que je fasse sur la chaîne, que ce soit avec JB ou solo. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!